On vous souhaite la bienvenue à ÉricLatour.com. C'est l'heure de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale à Québec pour nos députés. Dave Turcotte du Parti québécois dans le comté de Saint-Jean qu'on reçoit dans quelques instants. On va parler du pont, on va parler de l'hôpital. Mais d'abord, on commence avec la députée d'Iberville de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, Claire Samson. La semaine dernière, on vous parlait de rentrée scolaire. Cette fois, c'est de rentrée parlementaire dont il est question. Du côté de l'Assemblée nationale à Québec, cette fois, on reçoit la députée d'Iberville, Claire Samson. Bonjour et bienvenue. Merci, bonsoir. Est-ce que la députée d'Iberville a passé un bel été? Extraordinaire. Je l'ai passé dans le comté. À faire quoi? À courir les festivals, les fêtes familiales, à rencontrer les maires, les directions générales des villes. L'été, c'est là que je prépare ma liste D'épicerie, des petits dossiers qui retroussent et qu'il faut régler dès la rentrée. Donc, il y a des petits dossiers, des moyens dossiers, puis des grands dossiers. Il y a des grands dossiers, oui. Bon. Justement, durant l'été, on le sait bien, bon, vous avez dit plusieurs événements, bon, probablement les Montgolfières, évidemment. Il y a aussi le Festival Western de Sainte-Brigitte. Oui. Je vous ai vu en photo, là. Oui, oui, à Sainte-Brigitte. Oui, Sainte-Brigitte qui est maintenant populaire. Sainte-Brigitte a été l'occasion d'une petite séduction. C'est vrai. Un tournage qui a été fait, alors là on devient des vedettes là, dans le comté, c'est bon. Bon. Quels sont les grands enjeux, les grands dossiers de l'automne pour le comté d'Iberville? Oh, il y en a plusieurs. J'ai quelques dossiers avec le MTQ, qui est un ministère très populaire, comme vous le savez, ces temps-ci. Alors, s'ils peuvent se sortir de leur crise et puis garder un ministre assez longtemps, il y a plusieurs dossiers qui sont... pas juste des questions de pavage de route, mais aussi des dossiers de sécurité. Je vous donne l'exemple de la 112. À Saint-Césaire? À Saint-Césaire, qui est un problème. La 112 à Saint-Césaire, elle passe à travers la ville. Les enfants doivent traverser la 112 pour aller à l'école. Alors, la pauvre dame ou le monsieur brigadier, là, ça roule sur la 112 dans Saint-Césaire, là, c'est vraiment pas sécuritaire. Il faut que quelque chose soit fait, là. Et là, il faut pousser sur ce dossier-là absolument. Il y a le dossier de la 227 aussi, où il y a souvent des accrochages. Il y a plusieurs petits dossiers là, qu'il faut régler au MTQ. J'en ai quelques-uns avec le ministère de l'Éducation. Il y a eu beaucoup de problèmes de transport scolaire cette année, il y en a encore. Il y a des dossiers de terrain qui ont été achetés par des municipalités pour être rénovés et remis en fonction. Ça traîne, des dossiers qui traînent depuis 7-8 ans. Et pour lesquels les municipalités sont prêtes à embrayer, puis ça bloque quelque part dans la machine. Alors, il faut creuser, il faut harceler un peu parfois, mais on finit par en régler toujours quelques-uns. Bon. Puisqu'on parle de transport, je sais que le prolongement ultime de l'autoroute 35 va se faire dans l'autre comté, hein, du côté de Brome-Missisquoi. Il y a le fédéral aussi qui doit intervenir là-dedans. Mais en quelque part, ça reste une autoroute qui relie Saint-Jean à Boston, donc qui passe principalement dans le comté d'Iberville. Est-ce que le ministère des Transports vous informe un peu de l'état des choses? Est-ce que vous entendez parler de quelque chose? À l'effet, est-ce qu'on va la finir un jour ou l'autre, l'autoroute 35? Parce qu'elle aura des impacts importants au niveau économique dans la région. Majeurs, des impacts majeurs. Ils disent que oui, c'est dans les cartons, mais ce qu'on m'a dit l'autre jour au MTQ, c'est, écoutez, Mme Samson, pour nous, l'important à l'heure actuelle, c'est de protéger les acquis. Pour ce qui est du développement, on verra plus tard. Ça veut dire que ça me surprendrait que ça se fasse à l'intérieur du mandat actuel. Donc, si on pense un jour rouler sur la 35 jusqu'à Phillipsburg, ça ne se fera pas avant... encore plusieurs années, parce que si vous dites que ça ne se fera pas à l'intérieur du présent mandat, le temps qu'on complète les travaux et qu'on roule dessus, là, on parle de plusieurs années. Là. Bien, je pense qu'on parle des prochaines élections. Forcément, là. Bien, selon moi, là, selon mon évaluation, oui. Bon. Il y a un autre dossier qui ne touche pas nécessairement directement le comté d'Iberville, parce que je parle évidemment de l'hôpital du Haut-Richelieu, mais... Oui, mais c'est la clientèle. Mais est la là. Clientèle du comté d'Iberville fréquente l'hôpital du Haut-Richelieu. Le fameux enjeu... d'Optilab, le fameux laboratoire. Oui. Je sais que votre collègue Turcotte du comté de Saint-Jean, à qui on va parler dans quelques instants aussi, est sur le cas. Est-ce qu'il y a de nouvelles interventions? Je sais que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a voté une résolution unanime lundi de la semaine dernière pour demander au ministre Barrette de revoir sa décision. Visiblement, avez-vous du nouveau là-dedans? On a tous fait des interventions parce que la grande question, c'est est-ce que les analyses de laboratoire vont être faites
avec, en ayant à l'idée les patients. C'est ça qui est la préoccupation de tout le monde. Moi, j'en ai parlé à Gaétan Barrette aussi au cours de la dernière session, et il ne veut pas bouger. Pour lui, c'est un concept qui est utilisé internationalement, qui a fait ses preuves. C'est plus rentable, c'est plus efficace. Et il m'a dit que dans les cas d'urgence, l'hôpital a quand même tout ce qu'il faut pour intervenir. Mais c'est pas ça qu'on entend nécessairement de l'hôpital. Mais l'appréhension qu'on avait s'est finalement produite. Il y a une mère de famille pour qui, son bébé devait avoir une prise de sang. Et évidemment, on a perdu la prise de sang dans le transport entre Saint-Jean et Charlemagne. Et Charlemagne, oui. Et on a dû recommencer une deuxième fois la prise de sang. Bon, c'était pas un cas... C'est ça. Sauf que c'est tout ce que ça entraîne. Et ça, c'était l'une des appréhensions ultimement qu'on perde des échantillons. Là. Bien, c'est l'appréhension principale que les analyses soient faites de façon adéquate, rapidement, en toute sécurité, pour les patients. Là, c'est un bébé dont peut-être que le délai de 3 jours n'a pas eu d'impact majeur, mais ça aurait pu avoir un impact majeur. Et ça, je pense que le ministre est bien conscient que c'est le risque, là, mais il ne démarre pas de son modèle. Donc, pour 2016-2017, dans le district, dans le comté d'Iberville, pardon, c'est des enjeux de transport, des enjeux de santé. Probablement en commission scolaire également aussi, certaines demandes, les garderies. Ça aussi, là, c'est souvent au menu. C'est souvent au menu. Là, ce sont des dossiers qui sont communs à beaucoup de députés. Et puis, chanceuse, parce que j'ai des collègues qui font un bon travail. Je pense que François Paradis, au chapitre de la santé, il n'en échappe pas, il suit son dossier. Et quand on a des problématiques, comme l'hôpital de Saint-Jean, nous, on s'assure qu'il est bien au fait de la situation. Côté agriculture, parce que ça aussi, vous avez un comté qui est très, très, très agricole. Oui. Il y a différents enjeux actuellement, entre autres avec le lait diafiltré. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux enjeux des agriculteurs du comté d'Iberville? Bien, il y en a plus. Bon, le lait diafiltré, il est évident que ça prend une intervention du fédéral également. Oui. Donc là, il faut pousser le gouvernement provincial à aller régler ça avec le gouvernement fédéral. Le lait diafiltré, c'est une chose. Il y a un phénomène semblable, mais à moins grande échelle, qui se produit avec le poulet. Ah oui. Le poulet, les Américains peuvent envoyer du poulet qui est dans sa fin de production, des poules pondeuses qui ont fait leur temps. Ils peuvent les envoyer sans limite parce que c'est utilisé dans la transformation pour de la bouffe animale, des choses comme ça. Mais ils ne peuvent pas envoyer du poulet qui est dédié à la consommation. Or, il apparaît que de plus en plus de camions de poulet dits de transformation est envoyé au Québec, passe par des distributeurs et réemballé et offert dans les comptoirs. Alors ça veut dire que quand s'il y a une brèche qui s'ouvre, là, ça va passer, là. Donc, ça va augmenter. On le sait déjà que c'est un phénomène qui commence à être un peu fatigant. Donc, il faut agir à ce chapitre-là aussi. Et on me dit, moi, que n'importe quel inspecteur peut voir la différence entre un poulet de transformation et un poulet pour la consommation. Ça ne se ressemble pas du tout, là. Il n'y a plus de viande après un poulet de transformation, là. Et que, donc, de toute évidence, il y a des inspections. Votre chef, François Legault, a effectué une tournée durant l'été. Oui, une quarantaine de comtés, oui. J'en ai suivi à quelques occasions. Bon, là, on a un contexte de rentrée parlementaire où le PQ n'a pas encore de chef, quoique ça va se faire là, dans quelques semaines. Certains déchirements là, qui s'opèrent de ce côté-là. Le gouvernement a beaucoup de difficultés dans certains enjeux. On voit, entre autres, que l'absence de Pierre Moreau fait encore très mal au gouvernement libéral. Et l'impression qu'on a, c'est que la CAQ tente de se positionner là, dans l'échiquier politique en prévision de la prochaine élection. Que veut faire la CAQ dans la prochaine année, la Coalition Avenir Québec? Bien, il faut qu'on se positionne. On est un jeune parti. On est 20 députés à l'Assemblée nationale. Je pense que mon chef a fait une tournée d'une quarantaine ou une cinquantaine de comtés cet été. Il faut qu'on se fasse connaître davantage. Il faut qu'on se positionne comme un parti qui est nationaliste, donc qui n'a aucune
aucune stratégie référendaire ou séparatiste ou indépendantiste. On veut qu'économiquement, le Québec se porte mieux, puis on est capable de faire ça à l'intérieur du Canada. Et ça, ça veut dire qu'il faut mettre un terme à la dualité. Est-ce que je suis fédéraliste ou séparatiste? Et est-ce que je vote Parti libéral ou PQ? Il faut que il nous reste 2 ans pour convaincre les citoyens qu'il y a une autre option qui est la nôtre, qui est une formation politique qui va privilégier l'économie. Là, on a hâte de voir le prochain budget. Là. Après 2 ans, là, M. Latour, là, à part les médecins, est-ce que quelqu'un peut me nommer un segment de la population qui a vu son sort s'améliorer? Pas les élèves, pas les agriculteurs, pas les gens d'affaires, pas les travailleurs, pas les immigrants. Il n'y a rien de positif qui sort de ce bilan-là, là, à part pour les docteurs. Donc, il faut absolument qu'on donne un break, passez-moi l'expression, aux payeurs de taxes. Il faut qu'on leur redonne espoir que l'économie va repartir. En terminant, donnez-nous des nouvelles de Pepper. Oh, mon beau Pepper, il est à la retraite. Mais là, est-ce qu'il va encore vous suivre à l'Assemblée nationale? De moins en moins, parce que là, il est plus âgé, il est moins obéissant. Bon, Pepper est un chien qui détecte les crises d'épilepsie de madame. Voilà. Il avait l'autorisation de siéger avec la députée dans le Salon Bleu de l'Assemblée nationale et de vous suivre un peu partout. Oui, mais là, je vois avec l'âge qu'ils ont raison de les retraiter à l'âge de 9 ans. Il est moins attentif, il est moins obéissant. Et puis, je pense que ces 2 dernières années au Salon Bleu, ils l'ont brûlé un peu. Ça a été très exigeant. Trop d'odeur. Trop d'odeur, trop de monde, trop de parfum, trop d'aftershave. Et puis, trop de concentration, possiblement. Alors là, il est semi-retraité. Mais il fait du bénévolat. Il fait du bénévolat avec des enfants, puis il continue de s'occuper de moi. C'est comme mon infirmier à la maison. Mais j'ai mon épilepsie bien sous contrôle. J'ai pas de problème, donc je suis pas inquiète. Donc, Pepper peut dormir tranquille. Pepper dort tranquille, puis la maîtresse aussi, donc ça va bien. Madame Samson, merci beaucoup. Bonne rentrée parlementaire. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, le député de Saint-Jean, Dave Turcotte. Télévision du Haut-Richelieu. C'est l'heure de la rentrée parlementaire pour nos députés de l'Assemblée nationale. Cette fois, Dave Turcotte du comté de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça va être quoi les grandes priorités de l'automne? Je comprends qu'au niveau politique, là, vous avez une course au leadership là, qui va se compléter. Vous aurez un nouveau chef en fonction à la mi-octobre. Mais au-delà de la course au leadership, quelles seront les grandes priorités, les grands enjeux de l'automne et même de l'hiver à la limite pour le comté de Saint-Jean? Bien, pour le comté, il y a toujours l'hôpital qui demeure un enjeu important avec les travaux à l'hôpital. J'ai eu l'occasion de visiter l'hôpital, les travaux, l'agrandissement. J'ai eu aussi malheureusement l'occasion de visiter l'urgence durant mon été pour avoir eu des problèmes de santé. Oui, vous avez eu des ennuis de santé. Pierre Aurin, etc. Donc, la dernière fois, c'était durant la crise du verglas, fait que je me souvenais plus vraiment comment ça se passait. Mais ça a l'air que c'est bon aussi de vivre ce que les patients vivent actuellement, puis de voir qu'effectivement, l'installation actuelle de l'urgence... C'est désuet complètement, là. Et pour avoir visité la nouvelle urgence... c'est le jour et la nuit. Donc, l'hôpital, l'agrandissement des travaux à l'hôpital, le laboratoire aussi, le centre mère-enfant, tout ça, ça sera des enjeux à suivre.
En ce moment, on attend l'étude pour voir si c'est possible d'implanter le centre mère-enfant là, au troisième étage des nouveaux espaces. Est-ce que l'échéancier des travaux à l'hôpital du Richelieu est respecté à l'heure actuelle? Jusqu'à maintenant, pour le reste des étages, donc l'urgence, bloc opératoire, etc., on est pas mal dans les délais. C'est sûr que pour le troisième étage, donc qui était pour les laboratoires, les travaux sont arrêtés à ce moment. Bon, ça, c'est mon autre question. D'ailleurs, au dernier conseil de ville, mardi le 6 septembre, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a voté une résolution unanime pour demander au ministre Barrette de revoir un peu sa décision concernant Optilab. D'ailleurs, durant l'été, on l'a vu, il y a une mère de famille pour qui la prise de sang de son bébé s'est perdue. Entre Saint-Jean et Charlemagne. Pour elle et pour d'autres aussi. Et pour d'autres aussi. Là. Parce que c'était un des échantillons, mais dans Glacière, il y en avait d'autres. Mais ça, c'était une appréhension qui était fondée. À partir du moment où on transférait les prises de sang à Charlemagne, on savait que ce genre d'affaires-là allait arriver. Tout à fait. Puis imaginez, ça ne vient pas renforcer vos arguments, ça? Tout à fait. Puis imaginez que Optilab n'est pas encore implanté. En plus. Parce que ça, c'était des échantillons qui, de toute façon, allaient déjà à Charlemagne parce que ça demandait des traitements plus pointus. Mais il y en a déjà peu qui se rendent à Charlemagne et on en perd. On le veut à Montréal, on le veut un peu partout. Donc, imaginons lorsqu'il y aura un grand volume, ce qui peut arriver. Et là, en ce moment, il n'y a pas le système informatique pour la traçabilité. Il n'y a pas le système de transport non plus. Et le ministre dit vouloir continuer absolument. Et moi, ma crainte, c'est que le ministre reporte ça, et pendant ce temps-là, bien, notre troisième étage, on va faire quoi avec? Ouais. Et le nouveau, là, l'agrandissement, là, donc, qui était prévu pour les laboratoires, là, le ministre dit, bien, et les gens là, du C3S, on pourrait mettre le centre mère-enfant. Bon, c'est une chose, mais là, on vient à troquer un service pour un autre, mais ça ne règle pas plus le problème que si on déplace le centre mère-enfant là, qui fera en sorte que le centre mère-enfant pourrait l'avoir plus rapidement, qui, à première vue, est une bonne nouvelle, on va faire quoi avec les espaces libérés actuellement du laboratoire qui devait avoir le centre mère-enfant là? Donc là, on va avoir un laboratoire divisé en deux, possiblement, si le ministre se réveille dans 2 ans, 3 ans, puis dit... Mais est-ce que le ministre doit statuer ultimement là-dessus? Parce que j'ai vu dans mon autre travail chez TC Média, où je m'occupe de nouvelles locales également, et je vois qu'il y a d'autres régions au Québec qui sont à peu près comme ici, là, où on a des municipalités ou des députés qui ne sont pas du tout heureux de voir centraliser les laboratoires. Ce n'est pas propre à la Montérégie. Optilab, c'est à travers le Québec. Optilab est à travers le Québec. La seule chose, c'est que nous, on était pas mal les premiers à faire soulever cet enjeu-là, dû au fait que notre laboratoire était pratiquement terminé et il était en construction. Mais dans d'autres régions, c'est également des enjeux. Oui, puis je vais vous dire, là, des enjeux, comme exemple, les gens de la Côte-Nord, leur test va être transféré à Québec. Il y a des gens, le Rimouski, je crois que les îles de la Madeleine, c'est pris en avion, transféré à Québec, puis après ça, transféré à Rimouski, analysé à Rimouski, les tests renvoyés par fax aux îles de la Madeleine. Il y a plein de problèmes comme ça, là, il y a beaucoup de questions qui se posent, sachant que Dr Barrette, lorsqu'il était président de la Fédération des médecins spécialistes, donc avant d'être en politique, et avait dénoncé Optibab en disant que ça n'avait pas de bon sens. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. On va continuer à rester aux aguets pour s'assurer que la santé et la sécurité des patients soient respectées. Pour avoir vécu cet été, là, on a hâte de sortir de l'hôpital. On aimerait ça que nos résultats arrivent rapidement. Et plus on étire en envoyant les analyses ailleurs, puis tout ça, plus que de chances qu'ils se perdent, plus que ça prend du temps d'avoir des diagnostics. Parlons de transport, puisqu'à l'époque du ministre, il y a eu beaucoup de ministres, mais à l'époque du ministre Poetti, Robert Poetti avait assuré le maire Fecteau qu'il y aurait des travaux pour le Pont-Gouin cet automne. Oui. Or, on recevait le maire Fecteau la semaine dernière qui dit, bon, bien, écoutez, on vient de passer de M. Daou à M. Lessard. Et le maire Fecteau nous disait, non, il n'y aura pas de travaux visiblement cet automne. Pourtant, le ministère lui-même a déjà dit qu'il y avait comme une date de péremption sur le Pont-Gouin. Suite à une de mes interventions, le ministre m'avait répondu ça. C'est là qu'on avait... Décembre 2018. Oui, exactement. C'est ce qu'on a appris à ce moment-là. Là, dès la nomination de M. Lessard, nouveau ministre en titre là, au transport, j'ai écrit et on a reçu un accusé réception, ce qui est assez spécial parce que, bien, c'est spécial dans le sens c'est positif, parce que M. Daou, ça lui avait pris 3 mois avant de nous avoir un accusé réception. Donc, j'ai bon espoir qu'avec M. Lessard, on va pouvoir avoir des réponses. Mais là, M. Lessard est occupé dans le dossier Hubert.
Là, il y a d'autres dossiers qui le concernent, concernant des anciens attachés politiques, dont un qui a une entreprise qui a une subvention de 3 millions. Bref, que peut-être qu'on allez-vous changer de ministre des Transports? Peut-être que là, on va changer la lettre, puis on va appeler ça Monsieur, Madame, là, puis que ça va s'appliquer à tous les ministres des Transports. Mais il va arriver quoi pour le Pont-Gouin? Est-ce que les travaux vont démarrer, quoi, en plein milieu de l'hiver? Là, les dernières informations que nous avions obtenues, c'est qu'avec le fédéral, c'était pratiquement réglé. Ouais, donc, avec Parc Canada. Exact. Hein? Et donc, il y a la question là, de bon, la période là, qu'on ne peut pas construire à cause des, de l'ensemencement. Bon, mais c'est clair que ça vient de retarder d'au moins 8-9 mois, là, facile. Là. Bien, moi, c'est ce que j'ai toujours cru. Là, s'il y a d'autres informations que je n'ai pas obtenues, mais moi, je crois que ça devient très serré et on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre avant de débuter les travaux. Et là, entre l'étape qui reste à faire, à moins que je me trompe, puis peut-être que ça va arriver demain, quelque chose comme ça, ça n'est toujours pas passé au Conseil des ministres. Donc, tant aussi longtemps que ce n'est pas passé au Conseil des ministres, on ne peut pas annoncer. Tant qu'on n'annonce pas, on ne peut pas lancer les appels d'offres et on ne peut pas les écrire non plus. Ouais. Donc, ça prend un certain temps. Et là, c'est quand même un gros projet. Je comprends que les plans et devis sont faits, etc. Mais des appels d'offres, quand même, ça prend au moins 2-3 semaines. Là. Puis là, lancer le processus, qu'on analyse les soumissionnaires, qu'on lance les travaux, on est serré dans l'échéancier pour le décembre 2018. Là. Bon. Vous avez raison. Parlons de l'église Saint-Gérard. Oui. L'église de mon enfance. On sait qu'il y avait un projet qui était présenté aux citoyens. Les citoyens ont signé le registre à quasiment plus de 50. La ville a décidé qu'il n'y aura pas de référendum. Donc, ça sera à l'entrepreneur de refaire ses devoirs. Sauf qu'entre-temps, je sais d'ailleurs, il y avait une conférence, je pense, qui s'était hier, lundi. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop tard pour tenter? Je comprends que l'église n'est pas encore démolie, là. Puis qu'elle appartient à un privé, là, techniquement. Là. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour tenter de sauver l'église Saint-Gérard? Bien, moi, je crois que lorsqu'il y a une possibilité de sauver un immeuble aussi patrimonial que l'église Saint-Gérard, je crois qu'on doit tout mettre en œuvre pour le faire avant qu'il soit effectivement trop tard, c'est-à-dire avant la démolition. Je comprends qu'effectivement, ce qui rend les choses plus compliquées, c'est que l'église a été vendue à un entrepreneur privé, effectivement. Mais en même temps, dans le monde de l'immobilier, c'est pas rare qu'il y ait des transactions et qu'il y ait des ventes, etc. Donc, s'il y a un projet sur la table, je crois, puis le promoteur, d'ailleurs, était hier à la rencontre, et il a aussi dit qu'il était conscient du rejet qu'il y a eu la population. Lui, il cherche une solution. Les gens sur place cherchaient des solutions. On a eu l'explication un peu plus hier là, des programmes de subventions qui pouvaient être éligibles. Même le propriétaire privé pourrait avoir des subventions du gouvernement du Québec pour... Mais est-ce qu'on est obligé de conserver l'église telle qu'elle est actuellement? Hier, les architectes et les spécialistes ont dit pas nécessairement. Ça prend beaucoup d'argent pour les rénovations. On peut reprendre le style, le design, l'architecture, intégrer des éléments architecturaux de l'église actuellement. Mais faire un projet domiciliaire quand même? Bien, ça peut être... À partir de la coquille, si on veut. On nous a montré hier un projet que j'avais visité rapidement. Il y a de ça quelques semaines, là, dans Pointe-aux-Trembles, une ancienne église à l'abandon total qui était, on voyait au travers, etc. Et là, maintenant, c'est des logements qui sont tout autour. L'église a été utilisée comme garderie, centre de la petite enfance, centre communautaire. C'est sûr que ça, c'est plus communautaire. Mais dans d'autres cas, il y a des églises qui sont utilisées pour transformer des résidences, etc. Donc, il peut y avoir des logements, il peut y avoir des condos de construits avec un style architectural, une reprise d'un élément de l'église qui ferait en sorte que ça rendrait une certaine commémoration de ce lieu-là, mais aussi une identité par rapport au quartier Saint-Gérard, que les gens se sont identifiés quand même à leur église là, avec le temps. Bon, parlons d'éducation, parlons du presque 18 millions d'investissements du côté de Marie-Rivier. Tout à fait. D'ailleurs, la présidente de la commission scolaire, Mme Bouchard, avec nous la semaine dernière, était très heureuse, évidemment, de cette décision-là. Je vous ai vu là, tout sourire avec le ministre Proulx. Oui, tout à fait. L'autre ministre, Mme Charlebois, également, qui était là. C'est comme une grande réunion de famille. Oui, mais c'est parce que ce dossier-là, justement, il y a des dossiers. Puis ça me permet de rappeler, lorsqu'on est député du gouvernement ou député de l'opposition, il y a différentes façons de travailler des dossiers. Lorsqu'on est au gouvernement, c'est sûr que c'est plus facile. Du moins, en apparence, c'est plus facile parce que, c'est un collègue. On siège au caucus ensemble, on parle, etc. Lorsqu'on est face à des ministres, moi, je crois qu'on a une possibilité d'aller voir les ministres, leur parler, leur remettre des documents, d'argumenter avec eux. C'est ce que j'ai fait avec le ministre Proulx. Lors de l'étude des crédits,
en avril dernier. J'ai été lui remettre un dossier par rapport à l'Église, pas l'Église, mais par rapport à l'École Marie de Rome. Je ne l'ai pas fait publiquement. Je n'ai pas fait des esclandres, tout ça, parce que c'était un dossier qui émergeait, qui commençait, qui était de longue haleine, qui était important pour une communauté, là, des personnes, bon, des enfants, adultes, jeunes adultes handicapés, on le sait, à l'École Marie-Rivière. Moi, j'en reviens pas encore, là, que dans une école au Québec, des élèves qui vont à une école ne puissent pas entrer dans une bibliothèque parce qu'ils ont un fauteuil roulant. Je n'accepte pas ça. Et c'est ce qui était le cas actuellement à l'École Marie-Rivière. Ouais. Pas parce que les profs, pas parce que les gens qui accompagnent les jeunes ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas rentrer physiquement avec le fauteuil. Dans une école, une bibliothèque, c'est accessible habituellement. Donc, le ministre Proulx, dès la première présentation que je lui ai faite, j'ai senti l'importance qu'il accordait à ce projet-là. Et par la suite, fréquemment, régulièrement, mon attaché politique a parlé avec le cabinet et on a réussi à régler le dossier. Comme quoi qu'un député peut aussi amener des investissements dans la circonscription. Dernière question. Course au leadership. Là, ça s'est corsé un peu. Véronique Yvon a quitté pour des raisons de santé. Ça semble se corser entre Jean-François Lisée et Alexandre Cloutier, que vous défendez, que vous appuyez. Est-ce qu'Alexandre Cloutier sera le prochain chef du Parti québécois? Je crois que oui. On fait du pointage, mais on fait aussi du renouvellement de cartes de membres, on fait aussi des adhésions. Et dans la circonscription ici, les appuis pour Alexandre sont assez importants. Mais allez-vous être en mesure de recoller les morceaux du pot? Parce qu'on semble assister là, depuis quelques jours à certains déchirements. Oui. Mais ça, c'est un peu normal aussi. Hein? Il faut que les candidats se testent parce que les membres du parti veulent savoir qui est la meilleure personne pour affronter Philippe Couillard et François Legault lors du prochain débat. Donc, je crois que c'est un peu normal qu'on s'étrive un peu pour se tester. David Turcotte, merci. Bonne rentrée parlementaire. Ça fait plaisir, vous aussi. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. On a besoin de bénévoles pour une grande corvée le samedi 1er octobre dans le parc nature du Haut-Saint-Jacques, quartier NDL, domaine de la Canadienne à l'Acadie. Pour vous inscrire, bien sûr, vous suivez les informations au bas de l'écran. Chaque semaine, on vous présente des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct au Câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et entre-temps, pour m'écrire, Éric Latour en un mot, à commercial, tvhr9.com. Bye-bye.